bienvenue dans Passeurs de Savoir. Ça fait notre deuxième édition avec Jean-François qui prendra la parole tout à l'heure pour nous expliquer ce qu'est la mouette et comment ces magnifiques pointeux qu'on voit là derrière existent et perdurent. Donc on va voyager et en même temps on va découvrir les coulisses. La Mouette, l'association Les Pointus de Nice, a une flotte de 80 pointus qui sont là, derrière moi, tous alignés, merveilleux, qui font partie du patrimoine. Nous avons 101 membres adhérents, plus 35 membres sympathisants. Ce matin, le bateau est sorti de l'eau. Aura l'udakini et la resquiada. Maintenant, on va pouvoir nettoyer toute la partie qui était immergée pour la débarrasser des algues et des coquillages. Il faut dire que tous ces bateaux, le plus vieux du port, je crois qu'il a 100 ans, et c'est un héritage que nous avons de nos anciens. Et si chaque année, on les ressort de l'eau, on les repeint, on les répare, c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Bois dit travail, entretien, voire un petit peu plus sur le bois. Donc chaque année, nous avons quand même des travaux à effectuer. L'avantage du bois en rapport d'un bateau en plastique, c'est qu'on peut se concentrer sur certaines parties à changer. Donc moi, par exemple, cette année, je vais changer à peu près une quinzaine de membrures à l'intérieur de mon bateau et espérons que ce soit suffisamment propre pour en profiter cet été. Essayons de faire la transmission de notre savoir auprès des jeunes. Oui, les anciens sont là pour nous apprendre, mais que ce soit un ancien chirurgien ou un ancien mécanicien, on va avoir une passion commune à partager. Notre plus grand bonheur, c'est de pouvoir transmettre aux plus jeunes tous ces petits savoir-faire, toutes ces astuces et toute cette passion qui nous anime pour ces pointus de Nice. Mais il faut également leur faire comprendre que ce plaisir se gagne, c'est pas vraiment se gagne, mais est le fruit également d'un entretien et d'un investissement personnel. Donc oui, il faut dès le plus jeune âge que les petits puissent mettre la main à la pâte. Ce qui m'a passionné aussi dans le fait d'acheter un bateau en bois, c'est que j'aime travailler le bois, j'aime les travaux manuels d'une façon générale. Et que pour moi, c'était une façon justement de faire concorder mon goût pour les travaux manuels et le travail sur le bois, et en même temps entretenir quelque chose qui fait partie du patrimoine historique. Donc je m'y consacre régulièrement, au moins un mois par an. Bon, je l'entretiens entre-temps de façon plus légère, on va dire, mais je le mets un mois sur la cale chaque année et je le remets en bon état, voilà. On a fait des essais de bateau, il a servi d'expérience puisqu'on l'a mis à l'eau, on l'a fait tremper dans l'eau comme un sous-marin pendant 3 fois pour faire gonfler le bois parce que autrement l'été dernier le bois se recroquevillait, donc il y avait beaucoup de fente. Donc je pense avoir finalisé ce problème et j'espère, je vous dis, avoir une satisfaction dans la suite de l'utilisation du pointu. Bernard, on en retrouve partout. Et là, moi, c'est un moteur que j'ai récupéré. C'était l'armée. L'armée qui avait des moteurs, justement, pour leur fameuse machine. Il marche au 98. Donc, logiquement, on devrait prendre du 95 et mettre un produit pour qu'il soit un peu plus gras. Mais avec le 98, il marche très, très bien. Eh bien oui, la surprise, c'est pour ça qu'on les sort régulièrement, vous voyez, parce que parfois, il y a des parties qui pourrissent avec l'eau de mer,
Et si on ne les sort pas régulièrement, eh bien, on les brûle à la Saint-Pierre. Hein. Au final, lorsqu'on a ce genre d'embarcation, on n'est pas propriétaire vraiment de cette embarcation. On est dépositaire d'une embarcation. Et l'on se doit, pendant qu'elle nous passe dans les mains, de pouvoir ensuite nous la transmettre de la meilleure des façons qui soit. Il y a un dicton à Nice qui dit « C'est la peinture qui tient les pointus ». Et ma foi, c'est peut-être bien peu vrai. Allora, buona giornata in tui. Ora rigagiantu il batteo. E viva Nisa! Viva Nisa! Viva lo porte! Regardez la mer, restez la journée entière ici, sur le mur de pierre. Ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. Et viva lo Punciuto di Nisa!